Bonjour, bonjour. Franck Bilan pour Wave Media Studio. Hello, hello. Je suis Franck Lionel Bilan, promoteur de Matanga. Si vous vous demandez ce que c'est que Matanga, Matanga, c'est cette jolie boîte. Alors, Matanga, c'est une marque ethno-urbaine camerounaise de chaussures et d'autres articles qui arrivent d'ici peu. Nous sommes rendus à notre troisième année d'activité et nous proposons des trucs. Alors, on va dire qu'il y a beaucoup d'amalgame autour du terme start-up. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tel que les mots qui composent start-up, c'est commencer au-dessus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les start-up sont des boîtes qui sortent de nulle part et ils sont appelés à se développer de façon exponentielle très rapidement avec de l'argent venu des financiers, des proches, des banques, des fonds d'investissement, avec un modèle d'affaires qui est viable et scalable. En gros, voilà ce que c'est qu'une start-up. Alors, est-ce que start-up rime toujours avec entrepreneuriat? On va dire qu'à la base, oui, une start-up, c'est une entreprise, déjà. Même si après, on peut convoquer des différences entre une entreprise classique et une start-up. Contexte favorable, on va dire oui. Pourquoi? Parce qu'on bénéficie d'Internet, des réseaux sociaux et d'autres canaux qui favorisent la mise en avant des startups. Après, favorable, mais surtout une urgence au vu de la crise d'emploi qui frappe les jeunes. Donc, une journée pour célébrer les startups, c'est bénéfique pour tout le monde. La place de la start-up, on va dire, c'est presque une solution miracle. Pourquoi? Je l'ai dit plus loin la jeunesse camerounaise fait face à une crise d'emploi qui est sévère et les start-up arrivent comme une solution à court terme pour pallier à ce problème-là. Les jeunes apprennent à s'employer entre eux, on n'attend plus que l'État crée des emplois. Donc la start-up est cette solution-là qui vient calmer un peu la crise de l'emploi. Les enjeux futurs des start-up au Cameroun. Il faudra répondre à une demande de plus en plus croissante, super importante. Je l'ai défini plus haut, une start-up c'est une entreprise qui est appelée à se développer super rapidement. Pour absorber, soit pour résoudre un problème, soit pour absorber une demande. Et on a un souci aujourd'hui, c'est que l'industrie n'est pas préparée à ce type de développement. Donc, les enjeux de demain pour les startups seront de proposer des solutions pour contourner, innovantes déjà, rentables ensuite et palliatives. Donc, tels seront les enjeux des startups futures. Après, l'ADN de la startup, c'est l'innovation. Donc, il faudrait qu'elle soit super innovante pour continuer à répondre à ces besoins-là, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans les domaines plus basiques que l'agriculture et les services. Mon message aux jeunes, c'est de se lancer sans hésitation de créer des startups, des défis, il y en a tellement. Le startupper, c'est quelqu'un qui répond à un besoin, mais qui, plus idéalement, résout des problèmes qui sont là. Et actuellement, je pense qu'on est d'accord tous ensemble qu'il y a tellement de problèmes au Cameroun, en allant des problèmes de base, tels que l'alimentaire, jusqu'aux problèmes plus stratégiques, tels que la sécurité et la communication. Donc, le besoin est là, il y a une place à se faire sous le soleil, et l'État a besoin des créateurs d'entreprises comme partenaires. Parce que ce sont eux qui créent l'emploi. Alors, contactez ou retrouvez Matanga. Nous sommes déjà présents sur toutes les plateformes digitales. À côté de ça, nous sommes une start-up, comme on l'a dit.
Et notre modèle économique veut qu'on se développe très rapidement. Du coup, on a opté pour signer des accords avec des boutiques, des exclusive stores, des showrooms et consorts. Donc, vous allez nous retrouver dans nos showrooms partenaires au Grand Mall, à Bali, chez Delice Terroir, à Yaoundé, chez Exclusive Store. Pour le moment, ce sont ces accords-là que nous avons et nous continuons à chercher d'autres partenariats pour que Matanga se retrouve partout, localement et à l'international. Donc voilà.